Bonsoir et merci d'être avec nous pour Soir 3. Ce soir, c'est par un chiffre que nous ouvrons cette édition, 250. Alors c'est vrai, vous êtes habitué maintenant au décompte quotidien avec les visages d'Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier. Depuis 8 mois maintenant, nos deux confrères et collègues du magazine Pièce à Conviction ouvrons cette édition, 250. Alors c'est vrai, vous êtes habitué maintenant au décompte quotidien avec les visages d'Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier. Depuis 8 mois maintenant, nos deux confrères et collègues du magazine Pièce à Conviction ainsi que leurs trois accompagnateurs sont otages en Afghanistan. 250 jours, autrement dit 8 mois. C'est le 29 décembre dernier qu'ils ont été enlevés dans la vallée de la Kapisa, où est basée l'armée française. C'était pendant les fêtes de fin d'année. Depuis, le temps a passé. Il y a eu le temps de l'angoisse, de la polémique. Et puis aujourd'hui, de l'espoir qui renaît. L'espoir de les voir retrouver enfin la liberté. Aujourd'hui, c'est Claude Guéant, le secrétaire général de l'Élysée, qui a indiqué qu'il avait de bonnes nouvelles, car les négociations devraient reprendre. Magali Forestier nous en dit plus. If not... Dernières images de nos confrères diffusées à la télévision, c'était il y a près de 5 mois. Un ultimatum adressé au président Sarkozy, lu sous la contrainte de leur ravisseur taliban. Une autre preuve de vie a été fournie à l'Élysée il y a 10 jours. C'est ce qu'affirme aujourd'hui son secrétaire général. Nous savons qu'ils sont en bonne santé. Alors maintenant, évidemment, ce qui nous importe, c'est qu'ils reviennent chez nous. Le ramadan a un peu interrompu les négociations, elles se présentaient bien avant donc, le ramadan, il y a des négociations. Donc elles vont reprendre dans quelques jours. Plus de 8 mois de captivité en Afghanistan. Pour ne pas les oublier, des rassemblements de solidarité partout en France, anonymes, journalistes, anciens otages d'Irak ou du Liban. Et aujourd'hui peut-être, un infime espoir de retour. On peut dire qu'on est arrivé à un point où on n'était jamais arrivé dans la négociation avant, donc c'est très important. Maintenant, vous savez comme moi qu'une libération d'otages, c'est un moment extrêmement critique, c'est même peut-être le moment le plus critique à organiser. Nos deux journalistes étaient partis l'hiver dernier tourner un reportage sur la guerre en Afghanistan pour le magazine Pièce à Conviction. 3 semaines aux côtés des militaires français, puis peu de temps après, ils sont enlevés, sans doute sur cette route. Ils sont depuis détenus, quelque part, dans la vallée de la Kapisa. Notre invité ce soir est l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Bonsoir. Bonsoir. On va parler avec vous tout à l'heure des retraites, notamment, entre autres. En 2004, vous aviez eu à gérer la prise d'otages de deux journalistes en Irak, Christian Chéneau et Georges Malbruno, qu'on a vu là dans le reportage tout à l'heure, de Florence Obna, toujours en Irak en 2005. Quelles sont les précautions à prendre dans ce genre de situation quand on mène des négociations? Bon, d'abord, permettez-moi de dire combien je pense à eux et à leur famille. J'ai vécu ces moments-là et je les sais très, très pénibles pour tous les entourages. C'est-à-dire qu'aucune affaire ne ressemble à une autre, donc je ne peux donner aucun conseil. Ce qui est très important, c'est que les négociations puissent avoir lieu de manière très professionnelle du point de vue de l'État français et donc que nos diplomates soient en première ligne et qu'au fond, pour les ravisseurs et tous ceux qui gravitent autour d'eux, que les négociateurs soient clairement identifiés. Ce qui est le cas, semble-t-il ou... Ce qui est, semble-t-il, le cas, oui. Je pense que ce qu'a dit Claude Guéant aujourd'hui est très très important parce qu'en effet, ce sont les preuves de vie qui rendent la négociation possible. Merci Jean-Pierre Farin, on vous retrouve un petit peu plus tard dans ce journal. En tout cas, la mobilisation ne faiblit pas depuis 8 mois. Au festival Visa pour l'image à Perpignan, des reporters photographes ont raconté, eux, leurs difficultés à informer dans un pays en guerre comme l'Afghanistan, mais de la nécessité aussi, malgré tout, d'y aller. Témoignage recueilli par Nicolas Esturgy et Béatrice Barthes. Un petit lien pour être solidaire des otages en Afghanistan. Une évidence pour les 3000 photojournalistes présents au festival Visa pour l'image. Le comité de soutien n'a eu aucun mal à obtenir 2000 signatures en 5 jours. On voit bien que c'est un public qui sait ce que c'est que le reportage, quoi, qui sait ce que c'est que les risques des reporters, qui est conscient de ça, qui est très... Qui est super sympa. Et pour cause, nombreux sont les photographes présents à Visa qui ont déjà travaillé sur des zones à risque et notamment en Afghanistan. Tout le monde continue à aller en Afghanistan. Ce n'est pas parce qu'Hervé et Stéphane sont otages là-bas que les gens vont arrêter d'y aller. D'abord, il y a ce débat en France particulièrement aujourd'hui sur faut-il prendre des risques, est-ce que les journalistes devraient prendre des risques pour aller couvrir. C'est un débat qui n'existe jamais chez les anglo-saxons, qui ont aussi des prises d'otages, qui ont aussi des journalistes tués, qui continuent à y aller. Elisabeth Cossini travaille depuis 2009 en Afghanistan. Ses photos traitent du regard des femmes afghanes sur le conflit. Sa technique, se fondre dans la masse et être à l'écoute des gens du pays. Je demande l'avis à plusieurs personnes en fait. En général, je demande l'avis à des Afghans eux-mêmes, à plusieurs personnes de milieux différents que je connais. Donc si les Afghans me disent « Ouh là là, n'y va pas », moi si j'étais à ta place, j'irais pas. Il vaut mieux suivre leurs conseils parce que je pense qu'ils ont...
Ils ont une meilleure notion du danger que nous. À chacun sa technique pour travailler, mais question solidarité, la profession parle d'une même voix pour soutenir Hervé et Stéphane dans leur douloureuse épreuve. D'une même voix et chacun à sa façon. Par exemple, ce dessin de Plantu dans Le Monde, daté dimanche lundi, avec les visages d'Hervé et Stéphane, le sablier qui illustre aussi le temps qui passe, et puis la petite souris qui rappelle